Salut, salut! On se retrouve pour un nouveau vlog, weekly vlog spécial dernière semaine d'école, puisque vous avez été nombreux à le vouloir dans mon dernier vlog. Donc je m'exécute. Aujourd'hui, on est bien sûr lundi 2 juillet, dernière semaine d'école. Que font les enseignants la dernière semaine d'école? Je vais essayer de vous répondre à cette petite question. Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier de vous montrer ma future méthode de lecture pour l'année prochaine en CP. Donc aujourd'hui on a fini un petit peu le fichier de mathématiques, il nous reste vraiment pas beaucoup de pages avant d'arriver à la fin, je crois qu'il nous reste 4 pages ou un truc comme ça. Aujourd'hui on a fait la page 110 qui sont sur les soustractions avec des grands nombres, et puis voilà, après on avait fait d'autres pages, enfin le reste. Moi ce soir j'ai décidé de tout leur donner, donc ils finiraient les deux, ils finiront pour le plaisir les pages qui restent avec leurs parents, mais il reste vraiment 3 pages, et je leur ai préparé voilà, toutes leurs affaires, le cahier de découverte du monde. On avait pas mal bossé cette année. Et une pochette comme ça qu'ils ont décoré eux-mêmes avec toute leur production. Ouh, vous avez vu, il y a des beaux dessins. Leur production en art plastique et un des cahiers. Donc ça, ils ont tout récupéré avec leur pochette d'évaluation, tout ça, tout ça, tout ça. Nous voici à la maison en mode démaquillée puisque je sors de ma douche. Je me suis vraiment... apaisé, je ne sais pas si c'est votre cas, mais cette semaine il fait hyper chaud. Aujourd'hui jusqu'à 36 degrés, donc je peux vous avouer que là, la journée a été hyper fatigante. Même si honnêtement en classe ça a été, donc comme je vous ai dit, on a fait un peu de mathématiques et tout. On a fait beaucoup de jeux mathématiques à l'oral. On a fait quelques dessins hein, pour la maîtresse, pour le remplaçant, tout ça, tout ça. On a fait du sport ce matin. Du coup là voilà, je suis HS. Hors service, quoi, vous m'avez compris. J'ai pris ma douche avec ce petit truc là, je voulais vous en parler. Yves Rocher m'a envoyé ce petit truc là, c'est une crème lavante nourrissante à l'extrait d'avoine. J'adore celui au karité que j'ai beaucoup utilisé, je vous avais parlé en vidéo pendant l'hiver. Mais là c'est la version, on va dire, estivale à l'avoine. Et ma foi, j'adore parce que c'est très doux. L'odeur, voilà, c'est estivale, c'est pas une odeur de dingue. C'est moins cocooning que celle que j'avais de l'hiver. Mais c'est sympa et puis c'est un côté très hydratant, donc là... Je n'ai pas mis de crème hydratante. Bon, je vous retrouve demain. Donc demain, qu'est-ce qu'on a prévu pour cette journée? Beaucoup de rangements dans la classe. Jeux pour les élèves, des jeux de société, sport, je pense qu'on va faire. Des mathématiques en jeux mathématiques. J'essaierai de vous raconter un petit peu mes différents rituels de jeux mathématiques. Quelques mentales. Et bien sûr, une petite histoire. Aujourd'hui, on a lu l'histoire de Mowgli, qui était la dernière histoire de notre livre pas à page, notre livre de lecture. Qu'on a suivi notre méthode de lecture, et du coup demain on va continuer cette histoire de Mowgli parce qu'il y a une deuxième partie, il y a partie 1 et partie 2, donc on continue la lecture. Pour ça j'ai oublié de vous le dire, donc on a fait un peu de lecture, compréhension orale, en tout cas demain. C'est de la terre, c'est normal. Aujourd'hui, ce matin avec les élèves, nous avons fait un petit tour du potager de ma collègue, et puisque ma collègue en CP a fait un énorme potager, je vous mettrai la vidéo de ce que j'ai fait. J'ai même récupéré de l'estragon, donc des plantes aromatiques, et du persil. Il fait un peu la tête mon persil parce qu'il fait chaud aujourd'hui encore une fois.
Donc on a fait le tour du potager, ils ont découvert un peu les différentes choses qui ont été plantées. Il y avait des tomates, de l'estragon, des potirons, des courgettes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des fleurs, plein de différents types de fleurs. Donc ils se sont amusés à observer les plantes, à ramasser quelques graines pour les salades. Il y avait des salades qui étaient montées en graines. Ils ont aussi arrosé tout ça, fait des petits trous pour mettre des bouteilles. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette technique-là pour que ça permette à la terre d'avoir de l'eau en continu. Et voilà, donc ce matin c'était découverte du potager. Ensuite, on a fait des jeux mathématiques avec le jeu du furet. Moi j'appelle ça le jeu de la chenille, mais si vous connaissez le jeu du furet, je crois que vous en avez parlé déjà dans mon dernier vlog. On a fait aussi un peu le jeu du pendu. Ça, c'est quand même, tout le monde connaît, c'est un basique. On a fait ça pendant 10 minutes. Et j'ai même eu un petit cadeau aujourd'hui. Je vous montre le petit cadeau que j'ai eu par ma chère petite élève Louise. Une tasse à café, alors je bois pas de café, mais elle est trop trop belle. Hein. Qui vient de chez Monoprix, donc je m'en servirai pour autre chose, hein, mon jus. Une tasse pour le thé, de chez Monoprix encore une fois, avec des vagues là comme ça, parfaite pour l'été. C'était thème été. Hein. Une jolie carte qui m'a trop touchée, qui écrit tu vas nous manquer, il y a un je t'aime maîtresse dedans, donc à garder précieusement. Et un petit foutah de plage, pardon, je dis futa. De chez Monoprix encore une fois, il est trop beau, comme ça, bleu, avec des rayures, trop trop beau donc. Très sympa ces petits cadeaux, mais surtout la petite carte, voilà. Moi je l'ai dit la dernière fois dans ma vidéo cadeau, hein, idée cadeau, je vous la remettrai ici. Mais les petites cartes avec des petits mots doux, que ce soit merci, je t'aime maîtresse, voilà, ça me fait toujours plaisir. Donc, quand les élèves sont contents de leur année, moi ça me touche particulièrement. Aujourd'hui ma mission, cet après-midi, je pense qu'ils vont faire des jeux éducatifs dans la classe. Que ce soit mes jeux que j'avais achetés chez Action qui sont là-haut. Il va falloir que je les range aussi, mais je vais d'abord leur donner un petit peu de calcul, puzzle, mots. Et là, ma mission, c'est ranger tous les livres qui étaient chez moi, qui sont les niveaux CE1. Ça va du CE1 au CM2, donc je vais ranger ça. Et derrière, mes livres de CP, il va falloir que je trie et que je range aussi. Donc ça va être ma mission de mon côté. Voilà, comme souvent les fins d'année, c'est petit jeu collectif, jeu mathématique, jeu de lecture. Souvent, ce sont rangements dans la classe, hein, les enseignants rangent dans la classe. Et je vais commencer juste à préparer mes photocopies pour l'année prochaine avec comment ça s'appelle? Les présentations des futurs cahiers. Donc ça, je pense que je vais préparer ça jeudi. Et rangement de la classe pour que les femmes de ménage aient le moins de choses qui traînent dans la classe. Donc voilà. Bon, cet après-midi, on est en mode création. J'ai décidé de leur proposer de réaliser une page comme ça, avec une photo de tous les élèves de la classe et de se mettre des petits mots tout autour, des petits mots d'amour, donc voilà, de décorer avec des petits stickers et tout va. C'est le petit souvenir de fin d'année. J'aime bien donner une petite photo aux élèves en fin d'année. Alors habituellement, je leur ai fait un montage vidéo, ça je vous l'avais dit, je crois, dans mon dernier vlog, mais voilà, j'aime bien leur faire une petite photo et si, enfin, une sorte de petite carte mémoire, photo, enfin voilà, souvenir. Et après, je les plastifie. Bon, vous me retrouvez en mode Ugly Betty. On est toujours mardi soir. À chaque fois que je vous retrouve, en fait, je suis en mode pyjama parce qu'il fait tellement chaud. Alors, ce soir, j'ai oublié de vous dire, mais j'étais en réunion avec les parents de grande section. Enfin, leurs enfants vont arriver en CP, c'est la réunion de CP, pour un peu expliquer comment ça va se passer en CP, etc. Donc j'étais en réunion de 17h20 à 18h30. Du coup, je suis rentrée, j'ai donné à manger à mes enfants, j'ai mis les enfants au bain, je les ai couchés et je me suis lavée parce qu'il fait 32 degrés encore. Enfin, à 18h, il faisait encore 32 degrés, donc trop, trop dur. Et du coup, là, mes lunettes, elles sont dégoûtantes. Là, je suis rentrée, donc je me suis lavée. D'ailleurs, pour mes cheveux, vous êtes nombreux à me demander quelle est ma routine du soir. Donc c'est assez rare que je les lave le soir, mais là j'avais trop trop chaud et puis ils étaient dégoûtants. Donc j'ai utilisé mon shampoing du moment. C'est quoi mon shampoing du moment, tiens? C'est la routine Bioderma dont je vous ai parlé dans ma vidéo. Ça me gêne mes lunettes parce qu'elles sont sales. J'utilise en ce moment la routine Bioderma. Que j'ai laissé dans ma salle de bain et du coup ma mère est sous la douche. Mais dont je vous ai parlé la dernière fois dans ma vidéo unboxing. Je vous la remettrai par ici si ça vous dit. Un duo exprès pour cheveux avec cuir chevelu qui gratouille. Un peu démangeaison qui marche super bien à mon goût. Ensuite, j'ai mis le RNB de chez Lush que ma copine Jennifer, passion, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, me l'a donné parce qu'elle ne s'en servait pas. Et j'ai utilisé le Unique One de chez Revlon que la marque m'a envoyé.
Je le connaissais déjà à la version coconut, la noix de coco, que j'avais totalement adoré. Je vous en avais parlé souvent dans des vidéos pour déterminer, etc. J'avais trop trop adoré. Donc là, c'est la version Lotus Flower. C'est une sorte de traitement qui fait 10 choses. Je vous montre la boîte qui est toute jolie. Après, l'odeur est sympa. Lotus, c'est fleuri quoi. Mais c'est pas ce que je préfère. Je vous avoue que je préfère celui à la noix de coco. Donc ça répare les cheveux secs et abîmés, illumine et discipline les frisottis, protège de la chaleur, assouplit et adoucit, protection des cheveux colorés avec des filtres UVA, UVB, facilite le séchage et le lissage, démêle efficacement, prolonge le coiffage, évite les fourches et texturise. Donc plein plein de choses que j'aime bien. Moi j'adore l'utiliser, donc là je suis ravie de le retrouver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais allumer ma petite bougie parce que même s'il fait chaud, j'ai une nouvelle bougie qui est trop bien. Vous savez que depuis quelques temps, j'ai découvert les My Jolie Candle. Et là, celle-ci, c'est une nouvelle odeur que j'ai découvert, la Virgin Mojito, que la marque aussi m'a envoyée. Et quand je l'ai reçue, je vous dis pas le packaging, comment ça sentait bon, tout le colis sentait bon. Et là, je suis en mode, je la fais brûler depuis... Ça fait une semaine que je l'ai, donc je la fais à peu près 2-3 heures par soir. Mais elle a pas descendu, hein. Honnêtement, elle a un petit peu descendu, mais voilà, elle en est là. Ici, vous voyez. Et j'ai hâte de découvrir, c'est des boucles d'oreilles à l'intérieur. Il y a un petit bijou, donc à l'intérieur, là, ce sont des boucles d'oreilles. Et du coup, j'ai hâte de découvrir. Donc, bah, je vais l'allumer, parce que j'aimerais bien que... arriver aux boucles d'oreilles. Je sais pas où elles sont, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut voir? Non, on peut pas voir. Faut que j'attende. Allez, on l'allume. L'odeur est divine, ça sent vraiment le mojito. Le citron et l'ananas, un petit peu, enfin, je sais que dans le mojito, je crois pas qu'il y a d'ananas, mais le citron et la menthe, et c'est hyper doux, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette odeur, je la trouve trop, trop bien. Donc voilà, petite bougie allumée, maintenant je vais essayer de ranger tout mon bazar, parce que c'est le bazar sur ma table. Hop, je la mets à côté, voilà, hop, hop, hop. Objectif de ce soir, préparer les cadeaux pour ma nounou, puisque mes enfants, jeudi c'est leur dernier jour, du coup bah, je voudrais faire un énorme sac avec des cadeaux pour ma nounou. J'essaierai de vous montrer ce que je vais faire. D'ailleurs je vais faire un sac personnalisé que j'ai décoré avec des postcards, donc je vous montrerai ça aussi. Faut que j'y pense à vous montrer, faut que j'y pense. Et j'ai reçu un autre petit colis, je vous montre ça de l'autre côté. Alors j'ai reçu ce petit colis de la part de... Ma vie en couleur. Donc je vous mets le site en barre d'infos, mais je trouve ça plutôt cool. Ils m'ont envoyé une petite box comme ça avec voilà, des petites surprises à l'intérieur, des petites choses à déguster. Donc mais c'est super cool. Ma vie en couleur, c'est un site que moi je connais depuis quelques temps maintenant. C'est ma maman qui me l'a fait découvrir. Vous avez pas mal, si je ne me trompe pas, de réductions, etc. Donc là, là il y a une petite box avec des lentilles et du riz comme ça, façon dal indien. Donc ça, j'ai déjà goûté ces petits trucs là. J'en ai goûté qu'un et j'ai pas été convaincue, mais celui-ci je l'ai pas goûté, donc bah, je testerai aussi, je vous en reparlerai sur Snapchat et Instagram. Alors ça, ma fille elle est trop heureuse, j'en ai reçu dans la Degusta Box la dernière fois, dans mon dernier weekly vlog, et pff, elle les a déjà tous dégommés quoi. Elle trouve ça trop bon. Ensuite ça que je ne connais pas, mais que je vais m'empresser demain de grignoter, de chez Belin. Ah c'est marrant les nouveaux paquets de chewing-gum. Je sais pas, c'est des chewing-gums? Ah non, c'est des bonbons à la menthe, style un peu comme les Tic Tac quoi. Ah bah je connais pas ça, ça va aller dans ma voiture. Et pour finir, là c'est un pot en verre avec un petit sac je pense bah, de la marque Ma Vie en Couleur. Et c'est un petit pot de Bernays. D'ailleurs dans ma dégustabox j'en avais reçu un autre aussi. Je vous mets le site Ma Vie en Couleur bah, en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller découvrir un peu ce site là. Mais voilà, plutôt ravie de ce petit colis. Bon ici je vous montre le deuxième colis. Vous vous doutez non? Je vous avais dit dans ma dernière vidéo solde, je vous la remets en i, mais que j'avais commandé des choses chez Sephora, mais je ne les avais pas encore reçues au moment de ma vidéo solde, comme par hasard. Et donc les voici. Donc comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, hein, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, je vais être rapide parce que je vous ai déjà tout dit. J'ai commandé un highlighter de chez Too Faced, donc celui-ci qui est la teinte de gold, le You Light Up My Life, 3 melted latex. Un espèce de marron comme ça, un espèce de fuchsia, un peu plus rouge fuchsia et rose un peu plus pétant. Oh, j'ai hâte de les tester, là, si je les teste dans la semaine je vous montrerai. J'ai eu des petits échantillons, j'ai
J'ai commandé, j'ai testé. J'ai commandé le bain dissolvant pied. D'ailleurs, il faut que j'enlève mon vernis après. Et deux rouges à lèvres sans transfert Sephora. Un violet métallique qui n'était pas soldé. Et je vous renvoie vers ma vidéo si vous voulez toutes les références. Que j'ai tout mis dans mon autre vidéo solde. Hein. Et celui-ci qui était soldé, qui est mat. Salut salut, aujourd'hui on est mercredi, alors vous me pardonnerez, je vous prends, il est déjà presque 17h, 18h, mon crapouillou est là. Ah bah oui mon doudou, aïe. J'ai vite dit crapouillou, il fait tellement chaud qu'il est qu'en couche. Hein monsieur crapouillou, hey, tu jettes ta titine crapouillou, crapouillou. Donc, je disais, alors mon crapouillot me dérange. Aujourd'hui, mercredi, c'était kermesse ce matin. Mais avant d'aller à la kermesse à l'école, puisque je ne travaillais pas aujourd'hui, je suis allée en tant que volontaire. J'ai emmené ma fille absolument dès 8h chez le médecin, puisqu'elle a eu plein d'aftes dans la bouche, plein de boutons. Et du coup, bah, ça m'inquiétait. Je suis allée directement chez le médecin. Et il s'avère que, alors je peux vous dire que je suis extrêmement dégoûtée, mais qu'elle a attrapé de l'herpès dans la bouche, et du coup je suis juste dégoûtée, elle a attrapé ça au contact d'autres enfants, ou peut-être même d'adultes, je ne sais pas, parce que nous on n'a pas du tout ça dans notre famille, donc je ne sais pas, donc je suis de... voilà, la pauvre elle souffre, elle a mal, donc elle a un traitement, on a attendu quand même 2 heures chez le médecin, et puis après on a enchaîné avec la kermesse. Et ensuite, ben, on est rentré et je vous avoue que j'étais claquée. Comme vous pouvez le voir, je brille un petit peu parce qu'il fait encore une fois 30 degrés. Et que c'est juste insupportable. Je ne sais pas si c'est pour vous pareil. Du coup, voilà. Aujourd'hui, je vais préparer, comme je vous l'avais dit hier, les cadeaux pour ma nounou. J'ai offert des cadeaux déjà pour mes collègues qui étaient ravis. Ah ! Et demain, ben, dernière journée officiellement pour moi. Bon, je vous avoue que je suis ravie quand même d'être en vacances, on va pas cracher dessus. Mais je suis aussi très triste de quitter mes élèves, vraiment, c'est dur quand même de les laisser partir. Voici le petit tote bag que j'ai préparé pour la nounou de mes enfants. Donc voilà, personnalisé avec des feutres Posca. Je voulais aussi faire une petite empreinte de leurs mains, mais je vais voir. Et à l'intérieur, je vais glisser. À l'intérieur du tote bag, j'ai glissé plein de produits de beauté, des gourmandises qui viennent du Nord, un petit cadre avec une photo de mes enfants, enfin voilà, plein de petits cadeaux que j'ai achetés. Jeudi combien? Je sais même plus. Jeudi dernier jour pour moi, jeudi 3, 4, 4 juillet, non, 6 juillet, oh, je sais même plus, non, mais la maîtresse en carton. Jeudi 5 juillet, dernier jour de classe, nous sommes, il est 16h10, officiellement fini, j'ai un beau tableau comme tous les ans, avec plein de mots doux, maîtresse je t'aime, alors il y a même un ancien élève à moi qui a passé la journée avec moi, qui était en CM1 avec moi, et du coup qui m'a écrit que ça fait 3 ans que vous me manquez, oh, c'est trop mignon. Donc aujourd'hui une journée grande en émotion, j'ai été pourricatée, j'ai eu des cadeaux personnalisés, avec même un diplôme, diplôme de la merveilleuse maîtresse fait par mon collègue avec un album photo avec tous mes élèves dedans sous forme polaroid. J'ai eu un petit cadeau pour mes enfants, un petit jeu de loto pour mes enfants, des fleurs, des roses, voilà, j'ai été pourricatée. Donc maintenant je prends 5 minutes enfin pour vous parler de la future méthode de CP. L'année prochaine on a choisi avec mes collègues la méthode lecture piano de chez Retz, qui est une nouvelle méthode qui se base sur tout ce qui est pas sur la syllabique ni sur les méthodes globales, mais qui se base sur le graphème, donc sur la lettre. On va étudier d'abord les lettres associées à un son et dans les mots ensuite, dans les syllabes du coup. Donc voilà, c'est une des nouvelles méthodes recommandées par le gouvernement. Et à l'intérieur, alors attendez, je vous montre, il y a dans chaque livre un petit piano comme ça, et il faudra travailler avec les élèves bah, l'association des lettres qui font des sons. Donc voilà. Donc je vous en parlerai plus si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en parlerai plus
d'ici la fin août, quand j'aurai vraiment potassé les livres, parce que là du coup j'ai pas encore tout à fait eu le temps de tout potasser. Je viens de récupérer dans ma commande le cahier d'exercice que nous n'avons pas commandé pour tous les enfants parce que c'était pas possible dans notre budget de classe, et nous avons commandé les panneaux référents, qui sont les panneaux pour afficher dans la classe et qui sont les références pour les élèves, les références visuelles. Donc voilà. Pour ce qui est du reste, je crois que je vous ai tout dit. J'ai préparé mes sacs, j'ai rangé un petit peu mes étagères, j'ai essayé d'arranger ma classe au mieux pour que les femmes de ménage, ce soit propre pour elles. Je vais devoir dire au revoir à ma classe et aller voir mes enfants, chercher mes enfants chez la nounou. C'est dur de... Honnêtement, je sais pas si vous êtes toutes comme moi, les maîtresses, mais... C'est dur de laisser partir nos élèves comme ça. Au bout d'un an, on les a vus grandir, on les a vus se rendre autonomes. Enfin, c'était une belle année de CP, vraiment une très très belle année de CP. Et j'ai profité d'eux un maximum cette dernière semaine. Coucou, on est vendredi, alors c'était un gros périple. Hier, j'ai fini ma journée, j'ai couru à ma soirée collègue pour repas de fin d'année. J'ai pris la voiture à 21h30 pour partir pour Lille, puisque ce matin, ma fille avait une matinée d'intégration dans sa future classe, dans sa future école. Donc elle a rencontré sa maîtresse, elle a passé 2 heures dans sa future classe. Ma foi, c'est une école toute mignonne, la maîtresse a l'air sympathique, mais un peu, voilà, bon, après c'était son dernier jour, donc je pense qu'elle était fatiguée. On verra la rentrée. Et puis, ma foi, ça a l'air plutôt pas mal, donc on a hâte de... Ça s'est bien passé en tout cas ce matin, donc c'était cool. Donc hier, j'ai vraiment enchaîné ma journée. Donc je suis ce matin allée à l'école j'ai fait un petit tour à Action, bien sûr, parce que comme je suis dans le nord de la France, j'aime bien aller à Action près de Lille. Et j'ai craqué pour des choses pour ma future classe, donc je vous montrerai tout à l'heure. Mais la fille, elle vient d'être à peine un jour en vacances et elle a déjà acheté pour 25 euros de trucs, de jeux éducatifs pour mes futurs élèves. Donc en tout cas, je suis contente de les avoir trouvés. Là, il y en avait plein, donc je vous conseille vraiment d'y aller, je crois que c'est le moment. Et surtout, ils étaient à 3-4 euros, je crois. Mais il y avait plein de jeux, ils ont diversifié leurs jeux. J'en avais déjà deux l'année dernière que j'avais acheté. Donc l'année prochaine, je vais pouvoir faire plein de petits ateliers pour mes élèves, ça va être trop cool. Donc voilà pour ma journée, là je reviens des cours, j'ai fait 3 courses pour chez ma belle-mère. J'aurai jusqu'à dimanche, mais dimanche vous aurez ce vlog. Donc je vais essayer de commencer à monter ce soir ou demain. Et puis voilà, bilan de cette semaine, chaos. Une semaine archi... J'adore les dernières semaines d'école parce que on fait plein de choses. Enfin, c'est une semaine qui passe très vite, mais on est chaos. Et comme je vous ai dit, ma fille est attrapée, donc là ça va beaucoup mieux, ça bouche et tout, donc tant mieux, tant mieux. J'espère juste que moi je vais pas l'attraper et que mon fils ne va pas attraper son truc, quoi, ça, voilà. Donc, j'arrive plus à parler, ça c'est la fatigue, le cumul de la fatigue. Dites-vous que j'ai fait une sieste après-midi, c'est tellement rare, ça m'arrive jamais, quoi. Même quand je venais d'accoucher, etc., je faisais jamais de sieste, quoi. Donc je vous montrerai tout à l'heure mes trouvailles chez Action. Et puis ben voilà, je vous dis à tout à l'heure. Chez Carrefour, j'ai trouvé ça, j'étais obligée de craquer. Donc c'est un Marie Claire avec un petit sac Princesse Tam Tam pour 4 euros, en tout 4,80 euros. Donc je sais que j'ai plein de sacs de plage, mais comme tout est en mode carton tout ça, j'ai pas la plage cette année. Mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Bon, c'était mon petit cadeau de dernière minute comme ça. Et le Cosmo, alors ça fait très longtemps que j'avais pas acheté de magazine comme ça. Le Cosmo à 2,90€ avec une espèce de pochette spéciale pour votre téléphone ou enfin votre téléphone et qu'il aille sous l'eau. Donc honnêtement, j'y crois jamais à ces trucs-là. Mais je me suis dit que peut-être, vu que je vais à la piscine, peut-être je ferai des petites photos sous l'eau si j'y arrive. On verra. Alors, je vais d'abord tester dans ma baignoire, voir si... Bon, mon iPhone, il va sous l'eau, donc bon. Mais bon, j'avoue que j'ai pas essayé de le mettre sous l'eau encore, donc... On va tenter, on verra. Je vous en reparlerai dans des futurs vlogs vacances peut-être. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous aimez bien les vlogs, si vous en voulez d'autres en commentaire. Et je disais donc, petit sondage, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire tout de suite maintenant et à mettre un pouce en l'air d'ailleurs si cette idée vous intéresse. Mais est-ce que ça vous dit qu'à partir de septembre, je vous fasse une vidéo, même avant, peut-être au mois d'août, mais ça dépendra de mon déménagement, etc. Mais dans les prochaines semaines, on va rester vague. Est-ce qu'une vidéo par semaine spéciale maîtresse, que ce soit un vlog, une vidéo sur des livres de maîtresse, ou une vidéo sur les livres de pédagogie, une vidéo sur, je sais pas moi, les livres de littérature de jeunesse. D'ailleurs, c'est une vidéo que je vous avais promis depuis longtemps, mais j'ai toujours pas faite. Voilà, une vidéo par semaine sur ce thème-là, est-ce que ça vous dit
Mais vraiment une par semaine, je sais pas, par exemple le mercredi ou le dimanche, la vidéo maîtresse, quoi. Sur peu importe le thème, que ce soit un vlog ou pas, voilà. Est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous intéresse? N'hésitez pas à me dire tout ça tout de suite maintenant. Allez, réagissez en commentaire, comme ça je saurai. Et ben, voilà. Je vous retrouve peut-être demain, sinon je vous fais des gros bisous. Voici mes petites trouvailles chez Action. Donc comme je vous disais, plein de jeux pour mes élèves. Donc puzzle de mots, je trouvais ça trop sympa cette fois-ci. C'est vraiment des jeux différents de l'année dernière. Devinette de calcul, cette fois-ci sous forme de plateau. Quelle heure est-il? Alors ça c'est plutôt pour la fin d'année de CP, mais cette année je ne l'ai même pas fait avec mes élèves. Donc si j'avais eu le jeu, je l'aurais fait, je pense. Et puzzle de nombres. Et ça c'est pas mal du tout, surtout en début d'année, pour dénombrer des petits chiffres là, des petits noms, des petites quantités, pardon. Ensuite, ce jeu-là que j'avais vu déjà dans une vidéo, jeu de mémoire, qu'on peut même modifier nous-mêmes et en faire d'autres plateaux. Donc ça, c'est trop bien. Celui-ci, donc voilà, ceux-là, ils sont plus gros. C'est comme ceux que j'avais déjà achetés. Donc là, c'est pour apprendre à lire, encore une fois, avec le petit espèce de support comme ça. Et celui-ci, je l'ai déjà, mais je l'ai pris parce que là, c'est les lettres en attaché. Alors que moi, celui que j'ai, c'est les lettres en script. Donc parfait pour le CP puisque nous on travaille l'attaché, ça va être parfait, même si vous prenez juste les pièces de monnaie, enfin les pièces de monnaie, n'importe quoi, les pièces de l'alphabet là, et vous demandez aux élèves de les remettre dans l'ordre et tout, ça peut prendre du temps et ça peut être vraiment très bien comme activité. Donc voilà pour mes jeux là, je suis trop ravie d'avoir fait ces énormes trois, et j'en ai pris un de chacun pour vous dire, j'ai pas repris ceux que j'avais déjà dans cette collection là. Au niveau des babioles que j'ai pris une corde à sauter, pas de patrouille pour ma fille, parce qu'elle sait toujours pas faire de la corde à sauter, mais en même temps, 3 ans, c'est un peu normal. J'ai pris des jeux comme ça pour la piscine que j'ai acheté, je vous renvoie vers mon hall solde, Jiffy, tout ça, donc pour qu'ils jouent dans l'eau avec un petit arrosoir, tout ça. Des petits pistolets à eau, parce qu'il fait quand même 35 degrés et que voilà, ça va être sympa. J'ai repris ces petites gourmandises là pour ma fille. J'ai trouvé ça, des sorties de... photos parties, enfin vous savez, des photos boots là, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, pour faire des photos sympas avec le thème de l'été, donc ça je me suis dit pour faire des jolies photos Instagram ou même pour m'amuser. Ça pourrait être cool, faire des photos avec ma fille. Je vous invite à aller rejoindre ça sur Instagram pour checker. J'ai enfin trouvé les feutres spécial calligraphie de chez Action, ça fait 10 ans que je les cherchais. Donc là je les ai trouvés, je suis contente, avec 3 tailles différentes de feutres. Donc je vous en parlerai, hein, parce que là je vous avoue que je les ai pas testés, mais je vous en reparlerai. Pour ma maman, j'ai pris des After Eight parce que voilà, elle garde mon fils, donc je me dis que ça lui fera plaisir, un petit cadeau. Moi, j'ai pris ça pour moi. Hashtag, il est gourmand. J'ai pris ça pour moi et ma fille. J'ai pris ça pour mon fils et ma fille aussi. Pour mon fils et ma fille, j'ai pris en double. J'ai pris ça, qui marche très bien d'ailleurs. Top. Et des petites cochonneries. Encore. Ah si, pour finir chez ma belle-mère, j'ai pris ça pour ma fille. Ça.